Après cela, pour déjeuner, prends ses petits fruits. Montre-nous tes petits fruits, chérie. Mais c'est pas pour déjeuner. Elle, là, sérieusement, là. Ils sont vraiment bons, par exemple. Je sais pas ce que j'ai. C'est sa portion de fruits. Alors, dans ces fruits-là, bon, évidemment, elle a les baies ici. Ensuite de ça, bon, melon d'eau, pêche probablement. Les, bon, les, évidemment, les légumineuses. Hein? Faut manger du vert, hein? Quand c'est vert, c'est bon pour la santé. Hein, évidemment. Voilà. Elles sont bonnes, là. Comment ça va? Hein? Nous, ça va. Ça va bien, chérie? Très bien. Ça va très bien. Ezekiel est déjà à l'école. Marianne est en train de faire une grosse sieste. Elle était de mauvaise humeur ce matin. Fait que là, elle est couchée. Elle va venir nous prendre tantôt. Et vous entendez Ruby. Ruby qui chicane ses enfants, ses 5 petits chatons. D'ailleurs, la vidéo est à propos de ça aujourd'hui. Elle est en train de chicaner ses petits parce qu'ils sont très, très, très tannants. Vous allez voir, ça n'a pas grand temps. Et ça se promène partout dans la maison. Et la maman essaie de les garder dans le walk-in de Priscilla. Mais c'est pas facile. Donc, on l'attend chez Olly. La chère, le petit. Regardez. Elle est dit d'aller dans les walk-ins. Ça écoute pas toujours. Non, mais ah, c'est ça. Puis là, petite parenthèse, qu'est-ce qui est bien intéressant, c'est que là, vu que Priscilla est enceinte, elle peut pas faire la litière. C'est vraiment une règle. Alors, qui vous pensez qui fait la litière? Et là, imaginez-vous, 6 chats, c'est plus des petits bébés, là. 6 chats. Il y a 2 litières, c'est à faire au moins 2 fois par jour. Mais, ceux qui ont pas de chat le savent pas, là, mais un chat, c'est assez fou. Au début, c'est la maman, c'est Ruby qui mangeait leurs besoins. Elle allait licher. Non, mon Dieu! On les a mis une fois dans la litière. Quand ils ont commencé à faire ça à terre, ils l'ont fait une fois à terre. On les a mis dans la litière pour leur montrer que ça existait. Et on n'a plus jamais rien ramassé. Un chat, là, ça a été instantané. Les petits, il y avait quoi, 6 semaines, 7 semaines? Ils sont tous beaux, c'est parce que je vous regarde même plus, je regarde le chat. Tu le tiens, hein? Ils ont été propres tout de suite. Ça, c'est assez incroyable. Un chat, c'est assez. Il y a des avantages et des désavantages. Un chat, tu sais, un chien, c'est plus le fun pour jouer. Puis, c'est plus d'interaction avec le chien. Un chat, c'est plus indépendant. Mais, c'est pas d'entretien. Pour vrai, là. Mais, ça, j'ai quand même 6 chats à nettoyer. Et puis, ça peut pas rien faire pour m'aider dans ça. Donc, c'est. Et je vais vous dire une chose. On est des gens super propres. Le coin des chats est super propre. Je le fais 2 fois par jour, la litière. Et je vous dis, gars, c'est du. Ça sent le chacal. C'est un, je sais pas, c'est un lion, je sais pas, ça sent le zoo de Grimby, tu sais, on va se le dire. C'est, puis dès qu'on nettoie, c'est correct, c'est juste que c'est assez chaud dans la pièce, même si je fais ça 2 fois par jour, ça, écoute, c'est, puis en plus, en tout cas, on va vous les présenter. Hey, elle est toute sale. Mon Dieu Seigneur. De l'eau. Là, juste pour vous dire, malheureusement, c'est la dernière update qu'on fait des minutes. Je pense, hein. Moi, je pense que c'est la dernière. Passe. Ben oui, parce que ils seront vaccinés la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine. Après ça, out! Ben, je m'ennuie pour eux. Je les aime. C'est de laisser de la job quand même, mais on les aime. Regardez ça, les 3 plucs. T'as les dehors. Qui regardent par la porte. Ça commence à être propre, ces chiens-là. Tout est propre, gros, ça commence. C'est Bridget, là, la plus lente. Hein. Êtes-vous prêt à voir la Hype 4, comment ça l'a grandi? Là, c'est très difficile de les avoir tout en même temps, à la même place. Et je vous le dis, ils sont fous, parce que ça se peut que ce soit un par un. Alors voici Addison. Montre-nous ça. Montre-nous Addison, chérie. Pendant ce temps-là, il y en a un qui est dans la voiture Barbie de Mariana. Oh. Elles sont tenaces. Donc regardez leur tâche. Qu'est-ce que. Ah, ils ont des graisses. Mariana, là, elle est vraiment toute pleine de bobos. Elle les aime tellement, elle s'en fout, là. Genre, elle les prend comme ça. Puis là, les chatons, genre, ils la graffent. Bon, je vais. Elle s'en fout. Bon. Format miniature de Ruby avec des petits pois. Oh, des scènes de grandir! C'est ils sont doux, là, doux, là. C'est capotant. Et lui, ils ont quel âge? 8 semaines? À peu près. En masse, parce que le vaccin est la semaine prochaine. Puis. J'avais comme 3 semaines de retard, mettons, de quand je pouvais le faire. Allez, chicane, puis retourne. On va en chercher un autre, on les voit là-bas. Là, c'est ça. Ils sont fous. Regarde ça. Ruby, elle est chicane.
Ça monte tout de suite. Bon. Gasse, c'est le même à longueur de journée, genre. Ça pourra pas mes jeans parce que je les faisais sécher. Ils sont fous, ben regarde ça. Fait que là, il y a des fils partout. Genre, ils sont en train de tout briser. C'est pas compliqué. Vrai, oui, c'est pas compliqué. Des grosses griffes. Mais non, mais tu sais, en tout cas. Fait que là-dedans, il y a. Ça a pas d'allure. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Regarde ça. Vous êtes tannant, ça n'a pas d'allure. Regarde, comment c'est tannant, regarde la petite queue. Ouf! On les entend. Puis des fois, en pleine nuit, hein, chérie, on les entend. Puis Ruby, elle est chiale, elle veut qu'ils retournent. C'est pas Daisy. Je pense que oui. Il y en a un, là, c'est de la paille. Bon. Il y en a qui sont partis en arrière. Bon, Ruby. Maman, es-tu capable de t'occuper de ça, Ruby, ou t'es plus capable, là? Ça commence à. C'est bizarre, elle est genre engraissée. Mais non, mais là, je viens de garder jouer. Alors, Oddy, ah, oui, fait partie des gros tannants. Regardez ça. Oddy, c'est-tu celui à ton cousin, ça? Non, il est là-bas, celui à mon cousin. Parce que lui aussi, il est tannant d'abord. Attends. Non, regardez ça, des monstres. Ce sont des monstres. Regardez ça, des yeux de tannant. Il voulait les chasser. Les yeux de tannant, ça. Ruby, elle est chicane en ce moment. Elle est vraiment pas contente. Ah, là, d'une surveillante d'école. Mais les chiens. Regarde, ils viennent les voir. On va les présenter. Après ça, on va entrer les chiens. Parce que si t'es avec les chiens, ça va être l'enfer. Ça va être le party. Parce que pour vrai, qu'est-ce qui est vraiment cool aussi? Il y a une super de belle complicité. Attendez. Il y a une super de belle complicité entre les chiens et les chats. Pour vrai, c'est vraiment cool à voir. Oh, et là, c'est Daisy, ça. Daisy est tout le temps avec maman. Puis c'est elle. C'est la première. Quand Ruby, elle appelle ses petits, Daisy, c'est la première à venir. Hey, ils sont tous tannants, eux autres. Ils sont tannants, tes bébés. Ils sont contents de sortir de leur place. C'est l'enfer. Je vous le dis, c'est l'enfer. Sérieusement, c'est l'enfer. Ils sont tannés, là. Oh my god, ils sont. C'est de même à longueur de journée, là. Je vous le dis, c'est de même à longueur de journée. Désolé si les chaises sont sales, parce que là, le temps qu'on les chats s'en aillent, on n'a pas relavé les chaises parce que ça n'arrêtait pas, là. Non, puis les enfants. Les enfants sont dus à être lavés, mais on attend que les chats s'en aillent. Désolé, les chaises beiges sont dues, mais elles sont. Ça, c'est Daisy, regardez, ça, c'est celle à ma mère. Point. Elle a des petits. Ah oui, on ne l'aura pas dit, hein, Daisy, finalement, c'était. Mais dans le fond, Daisy, on était censé la garder au début, mais là, je suis tombée enceinte. Et là, avoir un nouveau-né, des bébés, un nouveau bébé avec deux chats. Ben, pour vrai, on voulait la garder. C'est juste on que là. On l'a regardé, mais tu sais, ma belle-mère est tombée en amour avec, puis elle a dit, moi, c'est mon rêve d'avoir un chat qui. Tigré comme ça, là. Tigré comme ça, je prends. C'est comme un bon deal parce qu'on va pouvoir continuer à l'avoir. Fait qu'on va être full proche d'elle quand même. On va pouvoir continuer à l'avoir. Regardez comment elle est spéciale. Je l'ai déjà dit, là, mais elle, là, c'est la petite fille à maman. Elle est tout le temps proche de sa mère. Désolée, ça, c'est l'Ephèse. Elle est tout le temps proche de sa mère, puis dès que la mère appelle ses petits, c'est la première. C'est vraiment la petite fille à maman, là. Oui. Pis des fois encore, là, ça boit presque pas. Il boit plus par la mère. Ben là, je les ai vus hier soir. Il mange rien, la nourriture là. Depuis longtemps. Là. Mais elle, là, on la voit souvent s'endormir en train de téter comme une suce, genre juste pour s'endormir. Là, elle est vraiment tannante. D'habitude, elle est pas de même. Mais ils sont tous rendus tannants. J'ai failli me mettre à la table. Là, j'entends les chaises. Là, ça arrête pas. Calmez-vous, les noms. Là, c'est à table. Ok, regardez là. Sont terribles. En tout cas. Regardez Daisy, comment elle est spéciale, elle. Elle a des petits pois, des petits points. Oui, ses joues. Ouais, un vrai léopard. On dirait un léopard. Elle est vraiment. Puis elle est plus pâle du visage. C'est la seule qui a une ligne par de l'œil. Les autres ont toutes deux lignes. Ouais. Ils sont toutes. Mais pour vrai, ils sont toutes beaux. Mais là, sont toutes. Écoute, sont malades. Ils sont toutes sérieusement. Capotants, puis j'ai la misère à les. Trouves-tu qu'ils sont plus beaux que Ruby? Oui. C'est ça ils sont que tout plus le monde beaux dit. Que la mère. Hey, entendez-vous les chaises se faire aller? Ils sont en train de nous arracher les belles. Un gars, là, il s'accroche après mes jeans. Oh, oui. Ça. Puis il monte de même. Ça, c'est Daisy là, qui m'a fait suivre.
Bon, j'ai réussi à en attraper trois, ça n'a pas été facile. Des monstres. Ils sont vraiment tannants. Les gars sont en horreur de jouer, là. Ben oui. Moi, j'en ai un sur moi. Bon, là, il y en a un de plus tannant, celui à ton cousin. On n'a pas été capable de l'attraper, il est en dessous d'un meuble. On va tellement être des bons chats, par exemple, super sociables. Ils jouent avec les chiens, avec les enfants. Mon Dieu, il capote, lui. Ben oui. Ça, c'est Daisy. Daisy. Regardez ses petits points, là. Ça, c'est Charlie au milieu. Charlie est rendue quand même grosse. Elle est rendue aussi grosse que les autres. Ouais, ça... Si vous vous rappelez, Charlie était la plus petite. C'est elle. J'ai eu peur qu'elle survive pas parce que... Mais là, tu les vois comparer un côté de l'autre. Es-tu vraiment plus petite que les autres? Non. Elles sont toutes vraiment la même grosseur. Elles sont toutes pareilles, c'est ça? Tout égales. Ça, c'est Odie, je pense. Non, ça, c'est sa sœur, justement, Dixie. Ben, c'est toutes ses sœurs. C'est juste que Charlie et Dixie... On va s'ennuyer, hein? Ben, fait que Daisy, Charlie, Dixie. Puis là... Il y a Odie dans celle de bain qui est dans ton cousin. Ouais. Puis il y a... Addison. Mais tu t'entends tomber. Addison. Mais ils ont changé, hein, leur pelage aussi. Ben, Ruby est vraiment... beaucoup, là. Est vraiment obnubilée par ça, là. Il est vraiment tannant. Bon, c'est un tannant, là. Il est là, celui du cousin Priscilla. Il pense qu'on le sait pas, mais il est là. Attention, préparez-vous à voir le plus tannant des tannants. Ah! C'est un monstre! C'est un monstre! Lui, là, regardez, vous allez comprendre quand je dis que ses lignes sont vraiment plus prononcées. Regardez. Ah, c'est comme un tigre, ouais. Il est vraiment fait. Ligné de même. Lui, il est pas picoté, il est ligné. Puis, je remarque que, regarde, il y a une grosse tache ici. Ah, c'est même que tu le différencies des autres. Oui. Puis, regardez le dos, comment il est plus. Moi, j'adore sa face de tenant. Il est pas capable de tenir en place. Regardez-le. Il y a vraiment, c'est un puis, petit gars. C'est tout le temps lui qui va découvrir les premières regarde, pièces avant les autres. Regarde ça, gros tenant. Ils sont vraiment la même. Regarde ça, comment il est tigré, genre. Mais. Ben, il est super bon. Ouais. C'est lui qui joue le plus avec les chiens, avec les enfants. Il vient par lui-même, là. Mais là, il aime pas ça, là. Il est sur place. Il est beau, la face. Il est vraiment bon. Ben, ils sont tous beaux. Débarque la chaise. Bruce qui joue avec les chats. Il est tellement fin, Bruce. T'es fin, Bruce. Tu t'occupes bien des enfants. Oui. J'ai oui. J'ai hâte de voir comment ils vont s'appeler chez leur famille. Le rideau qui bouge tout seul. Qu'est-ce qu'il y a ici, là? Qu'est-ce qui se passe ici? Ah ah! Ils sont rentrés dans la cage! Qu'est-ce qu'il fait là? Il est pogné là! Il est rentré dans la cage au chien! Ben oui, c'est Daisy, elle est avec sa mère! Elle est tellement maman! Elle reste en arrêt de maman à jouer! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'ils font? Là, ils se regardent à travers les grilles! Ah, c'est ça! Ah! Oh, ça joue des jeux de cache-cache! Bon. On capote un peu sur nos chats, hein. Ah, il y en a un autre qui s'en vient sur le top. T'as fait un bon dodo, Mariana? Non. Bon, arrête donc. T'es allé faire l'épicerie avec maman, hein? Ça a bien été l'épicerie quand maman? Oui. Maman me dit que ça a bien été parce que t'as fait ton dodo. Ça, c'est les crayons à S, par exemple. Et j'ai reçu. Bon. Donc, si jamais vous voulez utiliser mon code promo PRISCILLA2, vous allez recevoir plein de cadeaux avec votre commande. Donc, des smoothies gratuits et livraison gratuite sur votre commande, etc., etc. Je remets le lien direct dans, en dessous de la vidéo. Je vous le dis, tu sais. Si vous économisez grâce à moi, on serait bien content. On soit fait comme ça congelé à la maison, tu sais, c'est pas merveilleux. Je vous l'avais déjà montré, mais pour ceux qui sont nouveaux ici. Et essayez le Viva, c'est le meilleur. Viva! Excusez-moi, j'ai fait du. Et regardez, c'est congelé, là. Ouais, mais c'est bien isolé, ça. Viva, c'est lui. Oh, c'est bon. En tout cas, ils sont tous bons. Mais j'aime beaucoup Viva. Et j'ajoute, je vais juste vous dire vite, j'ajoute une banane et. Un yogourt des fois vanillé dedans, fait que ça fait vraiment, vraiment crémeux comme smoothie. Puis il y a plein, t'as pas ajouté genre, il y a déjà des graines de chia, des graines de ci, de ça dedans, fait que c'est comme full. C'est complet. Déjà complet, fait que. Et moi, c'est ça. Maintenant, c'est le temps de. Salade! Salade! Salut, Esther, c'est venu de l'école. Comment ça va, Esther? Bien, t'as passé une belle journée? Ouais. T'aimes ça la première année? J'ai fait ça. T'as fait des beaux dessins. Balance. Ça, c'est des dessins relaxants. Un petit mot, mais il y avait été Oui, c'est ça. Wow! Mais Ben, c'est une princesse.
Ouais. Ézéchiel, hier, ça disait qu'il y avait un petit peu de tannant sur son calendrier, mais aujourd'hui, ça a eu très très bien. C'est plus que mieux, c'était parfait. Super aise. Oui, on est en bain. Vous avez été prendre votre bain. Mais elle s'est pleurée, tu peux. Hein? J'ai pas pleuré. T'as toi qui as pleuré? Non, c'est elle. Oui. Là. Hey! Regarde! Tu regardes. On peut l'amener à l'école. Tu veux le laisser? Elle veut regarder ton dessin. C'est le mari et le chum à Ruby. Ouh, un beau lion. Alors, c'est le temps des shout-outs pour vrai, les amis. Alors, moi, pendant que je vais vous lire mon shout-out, moi, Mariana et je sais pas lequel, je le vois pas, mais en tout cas, avec un petit minou, ok? Alors, moi, mon shout-out va à Raph Drouin qui dit moi, en fait, moi et ma soeur, on écoute vos vidéos tous les lundis et mercredis. En fait, j'écoute vos vidéos depuis maintenant un an et au début de l'été, j'ai fait écouter à mes deux soeurs une de vos vidéos et depuis, on vous écoute les trois ensemble. Un de nos moments, bref, on vous aime. Je trouve ça tellement cool quand vous écoutez en famille nos vidéos ou avec votre frère ou votre soeur ou avec votre mère, en tout cas. Ou en couple, je trouve ça vraiment le fun quand on devient comme une activité pour votre famille. C'était vraiment comme, c'est un de mes plus grandes fiertés. C'est vraiment un beau privilège que vous nous donnez là. Tu nous montres le petit minou? Oui. Tu les aimes? Qu'est-ce que c'est papa, il me fait ça. Et au marché, papa, il met ta regard de lui. Oui, tu bon, je te montais sur mes épaules? Oui. Oui, c'est vrai. Maintenant, là, je suis là, ta maman. Maman est en train de regarder ça. Pour vous désoler, la coupe de cheveux champignons, des fois, elle a tendance à revenir. Un genre de défi TikTok, voilà. Si vous voulez comprendre, allez sur TikTok. Ici et ici. Moi, mon shout-out. Je viens de le trouver sur notre dernière vidéo YouTube. Mm-hmm. Et il va à Caro4455 qui dit « On vous adore, vous êtes tellement inspirant et vous avez une belle famille. On voit tout l'amour que vous portez et c'est beau à voir. » Merci beaucoup. C'est vrai, on est vraiment reconnaissant d'avoir une famille comme ça. C'est vrai. Merci pour les bébés chatons. Oui, c'est pas la TV qui nous a donné ça, mais c'est Ruby, on peut la remercier pour ce qu'elle a fait. Merci Bruce pour être là aussi. Merci de nous accompagner dans ça. Bien, on dit bye à tout le monde. Allez nous suivre sur TikTok, on fait un live de 24 heures dimanche. Oui! De dimanche à lundi prochain, donc on va être live avec vous pendant 24 heures, on va faire tirer des trucs. Et on va faire des défis. On va faire des dessus? Ah, mais là, vous le savez, ça va être des défis. On va avoir des défis. Mais... on va vous divertir pendant 24 heures de ça. Ça va être quelque chose. Guys, en attendant, abonnez-vous, activez la petite cloche de notification. On vous aime beaucoup. On se voit. Likez la vidéo. Et on se voit lundi prochain, tout le monde sur YouTube, en attendant, TikTok, Instagram. Est-ce que je dis salut? Bye! Oh! J'ai sacré.